Bonjour à tous. Difficile de passer après ça et dire du bien de la, du Bitcoin et de la blockchain. Je vais quand même essayer. Euh, L'aspect financier du Bitcoin, moi, je n'en ai vraiment absolument rien à foutre. Quoi. Si ça s'écroule demain, je m'en fous, mais totalement. J'ai des Bitcoins, d'accord, mais si ça s'écroule, je m'en fous, mais royalement. Tous les aspects financiers, ça m'intéresse pas du tout. Pourquoi Parce que le Bitcoin, ce n'est pas la révolution. La révolution qui est derrière le Bitcoin, c'est la blockchain. J'aimerais d'abord savoir qui d'entre vous sait ce que c'est une blockchain. Lève la main. Bon. J'ai mis une définition qui me semble la plus française, la plus compréhensible par tous. La blockchain est une technologie de stockage et de transmission d'informations transparente, sécurisée, fonctionnant sans organe central de contrôle. Ah bon D'accord. Je parlais plus fort Je vais essayer de me mettre là euh, sans organes de contrôle central de contrôle, c'est très très important ce qui a été dit. C'est effectivement le cas il n'y a plus besoin de notaire, plus besoin de banque, plus besoin de banque centrale, plus besoin d'état. Plus on peut tuer les banques, on peut tuer les notaires complètement faux, mais on peut s'imaginer qu'on va se passer de notaire alors que le notaire sera toujours utile pour enregistrer justement des documents dans la blockchain qui sera disponible pour tout le monde. Euh, je continue à ma définition. En ma extension, de blockchain constitue une base de données qui contient l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs depuis sa création. Donc quand vous, vous avez un nœud blockchain chez vous, vous avez toutes les transactions depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui et vous pouvez voir toutes les transactions. Pas en clair, c'est chiffré. Et cette base de données est sécurisée, distribuée, elle est partagée par ses différents utilisateurs sans intermédiaire, ce qui permet à chacun de vérifier la validité de la chaîne. C'est très important de saisir ce que c'est une blockchain parce qu'il faut la comparer avec ce que nous vivons aujourd'hui. Quand nous faisons des échanges de valeurs, on fait des échanges de valeurs tout le temps, euh, les échanges de valeurs se déroulent d'une manière un petit peu euh, pas très pratique. Si vous prenez un billet de 50 et que vous allez demander une bière ici au bar, le bénévole il va vous regarder et va faire Ouais, ça euh, pas plus petit quoi. Il n'y a pas de, de lecteur de cartes. parce que ça coûte. Donc l'argent coûte, le vecteur de l'argent pour euh, s'échanger de la valeur, c'est pas toujours, toujours le plus simple. J'ai vécu ça tout à l'heure dans un magasin où il y avait quatre personnes qui se disaient Comment est-ce qu'on va pouvoir acheter Parce que. Le montant était trop petit pour passer à, par le, la banque contact et quelqu'un avait un billet de 50 pour acheter un truc à 5 euros. Ça passe pas. Je vais cavaler parce qu'on est déjà vachement en retard. Donc je mets un schéma de, de blockchain. Vous voyez qu'on effectue une transaction verbée. Plusieurs transactions sont groupées dans un bloc qui sont dans un tampon. Puis c'est validé par les nœuds de, du réseau. J'espère que Anis va expliquer ça beaucoup mieux que moi. Non Ah, le bloc est daté, etc. Ajouté. Tout ça, euh, il faut vraiment chercher sur le net. Il y a une quantité phénoménale d'informations là-dessus, vraiment, qui sont très didactiques et qui durent des heures. Parce que expliquer la blockchain à des gens qui n'ont jamais vu une blockchain, j'en ai pour au moins de 20 heures. Je ne sais pas si vous avez envie de passer l'année avec moi, mais je ne vais pas m'égosiller. D'autant plus que je suis là pour présenter un projet liégeois, 100% liégeois, qui est actif dans la blockchain. Je parle assez fort, ça va Non, encore plus fort oui, à fond, je gueule. Okay. Oui, mais je dois cavaler qu parce qu'on est vraiment en retard. Ok. Ocean Lab est un projet liégeois. Ça va mieux comme ça C'est un laboratoire de projet dans la blockchain, donc on se pose beaucoup de questions. On se pose si ça a vraiment du sens de transposer des, 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 des échanges de valeur dans la blockchain, parce que c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. On veut transposer la monnaie dans la blockchain, absolument, mais on peut très bien euh, encoder des documents de notaire dans la blockchain. On peut tout faire. Quoi. On peut créer le café numérique Coin si on veut. Je ne sais pas pourquoi on ferait ça, mais on peut le faire. Voilà l'équipe euh, qui est composée par Ocean Labs. Ils sont tous des Liégeois, crypto-convaincus. Euh, on travaille sur la plateforme Wave, ce que je vais expliquer après. On a été finaliste un concours de start-up euh, dans la blockchain. On a, fait, on a composé la. L'équipe avec Fabrice, parce que Fabrice nous a convaincu que la blockchain allait révolutionner le monde, et on s'est dit, bah oui, c'est vrai. Et nous avons fait nous-mêmes une campagne ICO pour valider et consolider le projet, parce qu'on fournit des outils pour les gens qui vont lever des crypto-monnaies pour leur projet. J'y reviendrai. Donc, on a organisé une levée de fonds. Comment ça se passe Dans les crypto-monnaies, eh on propose un projet, on propose aux détenteurs d'un paquet de tokens de mettre leurs tokens sur notre portefeuille et ensuite on les récompense en leur donnant des Ocean Labs. Quel est l'intérêt d'avoir des Ocean Labs Pour le moment, pas vraiment d'intérêt, sauf que la valeur de l'Ocean Lab au début c'était 0,017 dollars, aujourd'hui c'est 0,06. Ça veut dire que les crypto investisseurs croient en nous et placent leurs crypto dans notre projet. Vous voyez la courbe après du de la valeur du token, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup d'activités et que pas mal de gens s'intéressent euh, à notre projet. Je dois d'abord dire un mot sur la plateforme Web, qui est une blockchain qui est complètement différente de celle du Bitcoin, mais qui permet justement de créer soi-même sa crypto-monnaie ou ses tokens personnalisés. On peut très bien créer le café numérique coin si on a envie. Ou Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez créer une crypto pour votre famille si vous voulez échanger des cryptos avec vos enfants et, et votre femme. Ce serait complètement inutile et absurde, mais pourquoi pas Ça l'autorise. D'ailleurs, je vais vous donner quelques chiffres de la plateforme. Il y a quand même 7500 tokens qui ont été créés, dont approximativement 90% ne servent à rien. Moi-même, j'en ai créé qui ne servent à rien, mais j'ai juste voulu tester la plateforme. Et effectivement, si vous voulez créer un token pour votre projet, vous pouvez le faire. Il y a beaucoup de tokens qui sont intéressants. Je vais juste en parler maintenant. Je mets quand même quelques chiffres pour montrer que ce n'est pas un truc de geek dans la cave, qu'il y a quand même un milliard de capitalisation boursière, etc. Il y a quand même beaucoup de, de transactions. La plateforme Waves a signé des partenariats très intéressants, dont un avec Burger King. Vous allez me dire que la blockchain révolutionne le monde, mais le premier partenariat qui est intéressant, c'est celui avec Burger King, qui veut faire un système de loyauté de la blockchain. C'est-à-dire que vous allez consommer des burgers chez Burger King vous allez gagner des Whopper Coins. Que vous allez pouvoir échanger contre d'autres burgers. Est-ce que c'est intéressant de le faire Je ne sais pas. Pour moi, non. Mais enfin, bon, s'ils ont envie de tester ce système, cette plateforme d'échange de valeur, pourquoi pas Si ça marche, ils pourraient très bien imaginer euh, d'autres systèmes d'échange de valeur dans les restaurants. Il y a un partenariat qui est très intéressant, c'est celui avec Microsoft. Ça, ça valide quand même le projet. Si un acteur comme Microsoft s'intéresse à la plateforme Waze, ça veut dire que... Ça, ça, ça fonctionne. Aujourd'hui, la communauté de développeurs Microsoft peut très bien télécharger la plateforme de leurs produits Azure et commencer à coder, créer des tokens directement dans les produits Microsoft. C'est quand même pas mal. Et le plus important de tous. Et là, ça, on mise beaucoup là-dessus. C'est l'accord avec Deloitte. Deloitte, si vous connaissez, ce sont des gens qui sont très intéressants. Ce sont des gens qui vont essayer de légaliser ce qu'on fait. Parce qu'on ce qu fait c'est illégal. C'est pas vraiment illégal, mais il n'y a pas de cadre légal. On gagne des choses qui n'existent pas. Moi, ma comptable m'a dit, euh, ce que tu gagnes, ça équivaut à acheter des tourelles dans Clash of Clans. Ça ne vaut rien. Quoi. Tu peux aller au délai avec ça, ça ne vaut rien. Il faut que, ce soit, faut que ça devienne légal. Il faut qu'on puisse encoder ça dans un bilan comptable. Il faut qu'on puisse dire, euh, bah, cette année, j'ai gagné, euh, je sais pas moi, 50 cafés numérique coin, et euh, ça vaut quelque chose. Quoi. Le jour où on payera des taxes, ça veut dire que ce sera légal. Et on veut payer des taxes, c'est dingue de dire ça, mais nous, on aimerait bien payer des taxes pour que ça devienne légal. Alors, la blockchain permet un tas de choses absolument incroyables. La société Waves, qui développe la blockchain Waves, a prévu cette année de commencer le développement de la possibilité de voter dans la blockchain, parce qu'on pourrait très bien organiser des élections dans la blockchain. Waves, c'est une société russe, donc on va toujours voir ce qu'ils vont faire, mais... Il y a une possibilité de pouvoir organiser des élections démocratiques, transparentes et euh, tout fait transparentes. La Russie a la transparence, ok, d'accord, mais ça pourrait très bien servir à tout un tas d'autres choses, de vote, je ne sais pas, de sondage, etc. Il y a plein d'autres petites choses aussi. Le, le client de messagerie dans la blockchain, pourquoi pas Le client de messagerie, bon, pff, je ne vois pas du tout l'intérêt maintenant, mais je suppose qu'il y en aura un, à un moment donné, bon. Vous voyez qu'il y a quand même énormément de choses qui vont être développées en une seule année. Nous, on a vraiment l'impression de la révolution, la deuxième révolution de l'ère numérique, c'est maintenant on a vraiment l'impression qu'on développe des choses comme à l'époque où on a découvert Internet. C'est-à-dire que là, on, quand on commencera à utiliser ça, on va se dire oh « oui, c'est logique ». Mais le premier jour où on est allé sur Internet, on s'est dit « ouais, ok, bon, bah, c'est pas terrible ». Puis Google est arrivé, etc., tous les acteurs majeurs. Là, quand tu auras tout, toutes ces fonctions-là, dont certaines qui sont vraiment très compliquées, on va pouvoir, par exemple, développer des terminaux de paiement chez les commerçants. Je vais y venir tout de suite. Ah non, j'ai mis le squid qui, était, qui est notre symbole, qui est extraordinaire. C'est un qui sert à rien, mais ça me fait plaisir. Le premier, le premier produit que nous avons développé chez Ocean Lab, qui est une, un projet léger, qui n'est pas encore une société, puisque ce qu'on fait est illégal. On aimerait bien être une société, mais il faudrait pour ça que nos activités soient, deviennent vraiment légales. On a euh, mis au point un robinet, c'est-à-dire un fausset. C'est-à-dire que quand vous avez un projet dans la blockchain, si vous voulez susciter l'intérêt des gens, des, des détenteurs de crypto, il faut pouvoir le susciter un certain euh, mouvement de monnaie. Donc vous allez créer le café numérique Coin demain, qui ne sert absolument à rien. Vous allez faire une belle page, vous allez mettre un robinet. Et si les gens viennent chercher la gratuité qu euh, que vous distribuez, une partie des tokens, ben là vous dites Mon projet a peut-être une chance de réussir. Il si n'y a absolument personne qui veut des cafés numériques gratuits, c'est qu'il y a un problème. Et là, c'est une première étape dans une éventuelle levée de fonds ultérieure. Alors, on a le post Alors, ça, je peux vous assurer que j'ai passé des nuits à essayer de l'expliquer à des gens. Techniquement, c'est vraiment costaud. Mais je peux résumer ça à une sorte de compte d'épargne. Si vous détenez aujourd'hui. Des Ocean Lab Coins tous les trois mois, on va vous verser des gratuités. Comment est-ce qu'on fait ça Eh bien, nous avons une piscine d'investisseurs, on appelle ça une piscine d'investisseurs, et tous les frais que nous engrange par les transactions que nous gérons, nous les plaçons sur un compte et qu'on reverse tous ces bénéfices aux détenteurs de la monnaie que nous avons créée. Je trouve que c'est bien dit, mais si vous avez compris, je suis super content. Notre produit principal, qui euh, va vraiment euh, développer notre projet beaucoup plus loin, beaucoup beaucoup plus loin, on l'espère, c'est notre moteur de recherche blockchain. Alors, euh, j'ai fait exprès de mettre un, un slide un petit peu compliqué parce que vous voyez que dans la blockchain on peut tout voir, mais c'est quand même un peu chiffré, quoi. Euh, ce sont quand même des adresses. Il y a un machin qui a versé euh, des miettes de mercure à une adresse de malade. Et l'attachement, c'est peut-être un fichier chiffré. On comprend rien à ce truc-là, quoi. C'est tellement... Euh, Abstrait, c'est pas Jean-Claude a versé 50 euros à Michel. Quoi. Quand on a accès à toute la blockchain, c'est une blockchain qui est chiffrée. Et notre moteur de recherche va analyser en permanence euh, la blockchain de la plateforme web pour en retirer des données. Par exemple, notre piscine d'investisseurs, je fais ça en live, j'espère que ça va marcher, merci. Il n'y a pas de wi non Si, il y a du wi Marche bien le Wi-Fi. Donc voilà, normalement, là, vous allez voir. Ah voilà. Merci. Ça, c'est la piscine des investisseurs d'Ocean Lab. Ça, c'est le montant que nous avons généré par toutes les transactions que nous avons gérées par notre plateforme. Et à un moment donné, on va verser ça à tous les investisseurs qui ont cru en Ocean Lab, tous les trois mois. Alors là, vous constatez qu'il n'y a rien. Euh, combien 7,89 euros. Bon, on vient de faire un versement, donc euh, la piscine est réalimentée. Derrière ça, il y a quand même euh, tout un tas de cryptos. Donc, c'est vraiment le, le bilan de, de toutes les transactions que nous avons gérées. Ceci peut vous permettre de comprendre que ça a un intérêt ce qu'on fait. quoi. C'est-à-dire que le portefeuille que nous avons détient toutes ces cryptos, des trucs complètement exotiques, euh, parfois ça peut être de la monnaie de singe, mais enfin, bon, on les a récoltés, et nous produisons une seule ligne de code, le total de tout ce que ça vaut. Ça peut être très intéressant dans le cadre, par exemple, d'un commerce qui aimerait savoir en permanence ce qu'il a dans son portefeuille, dans toutes les cryptos, dans toutes les monnaies. Alors vous remarquez qu'il y a quand même des dollars et des euros, hein, un peu spéciaux, mais vous pouvez verser sur votre portefeuille Wave des dollars et des euros. Euh, bon, voilà, il y a une interface de programmation pour les développeurs, là vous, vous remarquez que si vous appelez une, une URL, vous allez recevoir des données, c'est très intéressant pour les, tous les développeurs euh, du monde qui peuvent intégrer notre moteur de recherche dans leurs applications. On a aussi un, une roadmap qui est très intéressante et qui change tout le temps parce que, que la blockchain, ça change tous les jours et toutes les semaines et ce slide est déjà faux. Il était bon il y a une semaine, ça c'est déjà faux. On a d'autres projets qui sont en développement, dont des choses très très utiles. Une rencontre avec la FSMA que nous avons fait la semaine passée et qui nous a confirmé que ce qu'on faisait c'était pas très. Euh, ils comprenaient rien. Quoi. Ils ont juste dit, vous échangez des trucs, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire avec ça. Il y a un jour on va décider quelque chose, mais là euh, vous pouvez rien déclarer euh, et surtout vous ne pouvez pas retirer quoi. Parce que les gens qui ont tous les tokens, etc., s'ils retirent aujourd'hui, ils ne vont être pas être poursuivis, mais le fixe va dire Oui, mais là, vous avez fait un bénéfice sur un truc qu'on ne comprend pas. Vous avez quand même fait un bénéfice. Quoi. Donc on va le taxer. Nous, ce qu'on aimerait vraiment faire, un des trucs très, très, très important, même s'il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est un terminal de paiement pour les commerces. On aimerait cette année pouvoir convaincre des commerçants d'utiliser un terminal de commerce dans la blockchain. C'est un défi. Je ne sais pas du tout comment on va réussir, mais on va essayer de le faire à l'aide de tous les outils qu'on développe. On espère pouvoir convaincre des, euh, des commerces de le faire. Merci beaucoup de m'avoir écouté, même si c'était un peu technique. Je vous souhaite une excellente soirée. Nos réseaux sociaux sont là. Merci Sam. Excellente soirée. À tout à l'heure. Merci Laurent. Euh, ben je crois qu'on y est arrivé. C'est l'heure de la pause, donc on.